Voici les 3 guitares les plus chères au monde. Certaines d'entre elles ont été vendues à des prix exorbitants. Numéro 3, la Fender Stratocaster Reach Out to Asia, vendue à 2 700 000 $. Certes, elle a appartenu à Bryan Adams, mais cela n'explique pas son prix. En fait, elle a été signée par plus de 10 superstars de la musique, de Eric Clapton à Jimmy Page à Mark Knopfler, en passant par Keith Richards, Sting ou encore Paul McCartney. Numéro 2, la Black Strat de David Gilmour, vendue à 3,9 millions de $. Ici, on a la deuxième guitare la plus chère au monde. Cette guitare a enregistré album légendaire The Dark Side of the Moon, et lorsqu'elle a été mise aux enchères en 2019, elle était estimée à 100 000 $. Les bénéfices ont été entièrement reversés à une association pour l'environnement. Jusqu'au bout, cette petite merveille aura servi le monde. Numéro 1, la Martin D18E de 1959 de Kurt Cobain, vendue à 5 millions de $. C'est la guitare que Kurt Cobain a utilisée sur le plateau de MTV Unplugged en 1993 avec Nirvana. L'Australien Peter Friedman a décidé de présenter cet instrument partout dans le monde. Les bénéfices de ces expositions iront directement à des œuvres de charité pour soutenir le monde du spectacle.